Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Il y a Congo Dialogue photo solaka congodialogue.com. Balobio nanga photo solo là. Soko Zali congolais à solo et singeli otala bobele Congo Dialogue. Donc on a Quand on parle de Congo, on voit directement les solos. Quand on parle de les solos, on voit la dame. Ça dit que madame Francine Ngembe, ça pour ça qu'on a yende mon konza ma solo. Pas Francine Ngembe, donc deux fois t'es mamba beaucoup donc. Congo Dialogue, et ça c'est moi qui toko. Bana Congo, bana Mboka, Mbote na bino nyosha. Moke moke, Mbulo yekosila. Yekosila ndenge Mbula, Oyo yalobi esila ki. Ya 2020. Eko sila na kati ya pasi. Dengi mbulo ele kaki tubandaki na bokono ba bengi COVID. Bokono yo za kukuba se okuba ti na moya leloyo. Bokono yo zali eloko mosusu te me ezali symbole ya violence. Na mikolo yo, je continue à vous parler na violence na bitumba oyo ezali na kati ya buku oyo babengi buku ya santo Biblia. Oyo bato mingi bazo considere que ezali buku ya santo. Buku oyo ezali na sango ya malamu ya Nzambe, kasi soki botangi makasa mingi na kati ya buku wana ezali koloba mpe koprêche kimia te, ezali koprêche nde bitumba mpe mokili na biso. Ezali jere kaka mpe dirije na bitumba na bato oyo balingi bitumba. Nakanisi kobanda un jour bino nyonso bozo kotala mpona bato oyo bazali na chance ya kozala konekte na WhatsApp. Elili to video moko eza kosirkile esika Félix Tshilombo azalaki koleka escorte na ye ezalaki prise en partie dans ba manifestants. L'air ba poussé na kati ya mutuka, Félix afingi ba Congolais, apesi ordre na chauffeur na ye mpe na bagarde du corps bazaki na kati pe bazaki pembeni ya mutuka na ye, alobi panza bango, pusa bango, panza bango banyama wana etc. Il faut to remercier moto oyo akangaki video wana mpe apanzi yango, azali moto ya ko remercier mpenza mpo apanzi secret muke oyo ya moto alingi azwa deuxième mandat. Alingi azwa deuxième mandat auprès ya bana mboka ba Congolais, mais oyo abengi baza ba nyama, ce sont des bêtes bazo ko raisonnete ya solo toza ba nyama mpe mokili mobimba. Les dirigeants qui font partie de la cabale qui fait souffrir le monde entier,
ba considéraka bato oyo bazali initié te na pouvoir comme état ba nyama. Il y a un écrivain anglais qui s'appelle George Orwell. Akoma buku moko titre nango ezalaki en anglais Animal Farm. Elakisi ferme ya bibwele ya banyama. Ezali buku oyo il faut peut-être ministère éducation ya Congo à prescrire na bana batanga surtout à partir ya première année CO na komata mpe babanda ko tuna bana bituna mingi sur le contenu de ce livre. Ezali ironie ezali ko s'attaquer na pouvoir ya ba dirigeant monde banyama bazana kati ya ferme mais na kati ya banyama wana certains nyama bazo komi considérer supérieur par rapport à banyama mususu et puis babandi ko imposer pouvoir na bango violence na bango likolo ya banyama mususu kasi babosani ke bazala makila neti banyama mususu mpe bazaba bawei neti banyama mususu mpe bakukufa neti banyama mususu mais parce qu'ils ont une parcelle du pouvoir les animaux certains animaux na kati ya ferme wana bazoko imposer terreur na monde na kati ya ferme il en est de même na kati ya monde na biso lelo oyo mokili mobimba tozali terrassé terrorisé na groupe kaka moke ya ba Illuminati o balengi kaka bango ne bazwa mbongo bazala bariche mais mokili mobimba ekufa ba décrété fatwa ba décrété loi na bango décret que ba diminuer démographie ya mokili ke bato baleki mingi il faut babu mandambo to mingi po mokili etikala mwa vite. C'est une portion de gens qui ont décidé comme ça sur le destin du monde entier. Alors, vous avez des familles telles que ba Rothschild, bozali na ba famille neti, la famille ya reine d'Angleterre, bozali la ba empereur ya informatique neti Bill Gates, bozali na ba famille Morgan, na ba famille Rockefeller, na bongo. Ezali batwana nde bazali ko diriger mokili na biso, mpe bazali ko se considérer comme étant des animaux supérieurs par rapport na ba animaux mususu. Batwana na oti kotanga nkombo, bazana makila neti biso, balalaka, balamukaka baliaka basubaka basumbaka, mpe bakufaka. Kasi bango bazali komi considérer comme étant ba animaux supérieurs, tout banzambe, et ils peuvent faire de nous ce qu'ils veulent. Soki otangi na kati ya Biblia, oyo bino bokanisi kezali buku esanto. Ndenge na ote kolo baba poso eleki. Biblia ezali na sango malamu te. Biblia ezali na sango ya bitumba atu moma. Kobanda Genèse ti na suka na Apokalipse. Ezali buku elamu te. Ezali buku ya etumba. Ya violence, ya domination. Mpe ya kokanga bato miso. Mpo bato basa la résistance te, basa s'opposer contre banyama ou bazo ko se considérer supérieur te, ke toza la toujours soumis na bato wana ou balingi ba dondwa bango moko. Wana nde zali but poursuivi par
Biblia na bato oyo bazo continue kotangisa bino Biblia. C'est pour nous dominer, pour ba désarmer conscience na biso, pour ba lingate tout s'opposer contre bango. Pour bazo considérer biso comme état ba nyama ou ezali inférieur. Mokonzi na bino na Congo abengi biso ba nyama. Mpe alingi ba garde du corps na bino na ye ba panza biso po toza ba nyama. Alors, soki botangi na Biblia na lingi na tanga ngona le côté le français pour essayer de d'illustrer la violence dans la religion, ou la religion et la violence dans la Biblia. Bofongo la Biblia na bino, na buku ya Matthieu, ya Matthieu, chapitre 11, verset 12. Et comment mi boy? Je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ya solo. To continue na likolote na paradite o balba kasika nzambe azali kasi tika to considérer mokina biso comme étant paradis parce que ezali awande sika ba plaisir nyoso ezali parce que quand on parle de paradis on dit que c'est là où tous les plaisirs se trouvent mais awa balobike na paradis na sika nzambe balba kafandaka ezalaka kimia te, ezalaka boboto te, ezalaka bondeko te. Kasi bato oyo bazali koregner bazo ko administrer paradis. Mpe mokili mobimba. Ezali bato oyo balingi bitumba. Bato oyo balingi kimia te, les violents. Les violents. Ezali ba président na biso. Les violents, les alli, ndambo ya famille wanangana, pesibino makumba wa barotiri na ba msusu. Les violents, les alli bato oyo, ba inventant pe ba créer ba religion obiso tolandaka. Oui, pendant colonisation, ba imposa ka biso ba religion. Mais religions ont continué, colonisation peut ont continué. Kasi. Quand nous nous disons que nous sommes libres, que nous sommes souverains, souveraineté na biso ekozala acceptete pe ekozala totalité aussi longtemps que toujours continuer kondima ba outil oyo ba colonisation excusez-moi ba itizaka po ba soumettre biso moko kati ya ba arme ona ba colonisateur ba tizaka ezalaki religion kondimela biloko bazo kobenga nzambe aussi longtemps que toujours continuer kokena ndako ya nzambe kondimela ba pasteur kondimela ba imam ba sheikh ya ba mosquée ba oki ko considérer biso te que tozali décolonisé. Donc, il faut tout ça l'effort pour tout longwa na kati ya ba église. Je vais toujours insister ça na kati ya ba messe na ngai et ya mi kolonios. Soki to tangi pe buku ya Esaïe verset 17. Ti chapitre 17 12 ou jusqu'à 18. Nous remarquons que
Le dieu des blancs respire toujours la violence. La guerre, la tragédie, le viol, les pillages systématiques et d'autres notions du mépris des êtres humains qu'on dit qu'il a créé. Na kotanga ba passage wana na Bible na sanango na sélectionné kiango awa obomona ke Bible ezali buku malamu te. Na lo Bible malheur au tumulte de peuples nombreux. Il gronde comme grondent les mers et au rugissement de peuplades. Il rugisse comme le rugissement des grosses eaux ou à la multitude. Les peuplades rugissent comme le rugissement des grandes eaux. Mais Dieu les reprendra et elles s'enfuiront au loin et elles seront chassées comme la balle des montagnes devant les vents et comme les chaumes devant les tourbillons. Au temps de soir, alors voici l'épouvante. Avant le matin, elles ne sont plus. Telle est la part de ceux qui nous dépossèdent et le sort de ceux qui pillent nos biens. Alors, comme précédemment mentionné, la violence est aussi déclenchée sur ordre de Dieu. Et le Dieu d'Israël, de Moïse, de Jacob, en Deutéronome 20, versets 10 à 15. Dieu lui dit d'attaquer les villes et de massacrer tout, et alors tout sur son passage. Je lis ce verset-là. Oyo zali nzambi moto azoko yebisa Moïse aboma bato nyonso bana mike esika nyonso akoleka. Talobi, quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera ne sera tributaire. Enfin, tu seras tributeur et asservi. Si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu l'assiégeras. Et après que l'Éternel, ton Dieu, l'aura livré entre tes mains, tu en feras passer tout le mal au fil de l'épée. Mais tu prendras pour toi les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, et tu mangeras les dépouilles de tes ennemis que l'Éternel, ton Dieu, t'aura livré. C'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes qui sont très éloignées de toi et qui ne font point partie des villes de ces nations-ci. Mais dans les villes de ce peuple dont l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ceux qui respirent. Bandeko, ce passage peint la conquête des terres des autres, l'égorgement des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, sur ordre des dieux d'Israël. Les Occidentaux les font. Les Israéliens les font. Les Arabes les font. Ainsi que les Rwandais, les Burundais et les Ougandais sur nous. Et pour cela, parmi vous qui avez étudié,
vous connaissez l'histoire des croisades. Quand nous étions des enfants, on nous avait dit que les croisades, on nous avait appris que les croisades étaient des expéditions militaires organisées par la papauté afin de délivrer la Terre Sainte des mains des musulmans. Les Loyes Monani, depuis 1948, les Askenazis que nous appelons les Juifs, Bayam pe Baokipa, Jérusalem, Palestine, Ozala qui m'a belé, Teba Arabe, Babouma Bango. Na kati ya passage on na otu kutenge la bino, oui, na zui na kati ya Bible. Nzambe oyo bino bosambe laka, ayebsi Moïse. Esika nyoso oyo koleka. Soki olingi, o atake mboka, o nakolakisa yo. Yebisa bakolo mboka wana, soki balingi kimia, basi soumettre. Soki balingi te, bunda na bango. Donc soki basali resistance, bundisa bango, pe boma bango. Kotika ata eloko moko o ezana pe mate. Mwana, mwasi, mpaka. Il faut ko boma, biloko nyoso. Bibwele nyoso, il faut ko boma, mpe, oyo kotika la, zuwa yango ezali ya yo. Wana nzambe nini? Oyo bino bulubaka, nzambe ya malamu. Oyo nzambe oyo bino boyembe laka. Kasi nzambe oyo azali nzambe ya bitumba, nzambe ya makila. Je suis en train de parler de la religion et de la violence. Mpo bino ba pasteur, na bandimi na bino bino boza ba bibwele ya ba pasteur, mikolo nyoso bozo koloba nzambe ya kimia. Nzambe ya kimia azali na kati ya motema na yo mpe azali na kati ya mboka na yo. Ezali nzambe oyo ezali importé, imposé mpe sponsorisé te. Mpo ba église, ba religion, ba mosquée sika bokeneke. Ezali importé, imposé mpe sponsorisé mpo e voilé bino. Nzambe ya Biblia na nzambe ya Coran bazali ba nzambe ya kimia te. Bazali banzambe ya bitumba. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous, qui sommes propriétaires de ces villes, de ces villages et de ces pays, que Dieu d'Israël et des Arabes instruit à ses partisans, à Moïse, qui symbolise tous ceux qui sont violents, d'attaquer. Rôle Nabisso, il faut Ezala. Il y a qu'on résiste pe ko bunda na bango po baza bato neti biso baza na makila neti biso. Il n'y a pas le moindre mal, il n'y a pas la moindre douleur. Nzoku okyo zala nzoku. Tokyo zui tonga o tubie kaka boyi, nzoku akolela. Léopard, lion, banyama nyoso wana. Ya matata wili ya kabanya mamususu. Nakati ya parki pe nakati ya zamba. Mwona kaba dokumentere na kanisi. Soki otubi yetonga. Bakufaka. Balilaka. Bota la ba dokumentere mingi na televizyo. Kumona na YouTube par exemple. Isika nkoyi. Azo kuatake. Porki pik. Porki pik ya zanya mawana. Ezaka na basende boy. J'ai vu plusieurs documentaires où les léopards ou les lions s'attaquent à ces petits animaux. Mais la fin pour les gros félins est tragique. À cause s'attaquer naé, mais attaquer na basende et à la fin il meurt. Pour vous prouver que même si on est plus petit. Défaite et que cause à l'assaut qui te résistait. Alors, contre les assauts de Moïse, Ndengana Lubaki, que Moïse a le symbole de tous ceux-là qui sont violents.
l'Occident en particulier et le Moyen-Orient. Nous ne devons pas nous mettre à prier, à pleurer, à danser et à adresser louanges et adorations à nos asservisseurs. Nous ne devons pas adresser louanges, adorations et respect à ceux-là que nous appelons les autorités religieuses. Je vais parler de tout ce que nous avons comme hiérarchie dans nos églises, dans nos mosquées. Le pape, les archevêques, les évêques, les cardinaux, ce que vous appelez les bishops, les diacres, les sœurs en Christ, les frères en Christ, les prêtres, tous ce sont des asservisseurs, ce sont des violents. Ils représentent la violence. Les pasteurs et leurs complices dans les églises, ce sont des violents. Ce sont des gens qui violentent notre conscience, qui veulent nous voiler, comme les Arabes le font avec la burqa, en couvrant tout le corps de la femme, comme une chikwang, et qui ne doit que voir tout droit devant, comme un cheval de course, qui ne doit pas regarder à droite, ni à gauche, ni derrière, parce que l'objectif, c'est de gagner la course, et quelle course? Faire plaisir à celui qui la monte. C'est ça la religion. Nous, nous sommes des chevaux de course. Tout droit, à ce qu'on tire bisoboy. Côté à la gauche, côté à la droite, sinon tu seras distrait. Landa, ce qu'ils disent. Et ils se font appeler des autorités de l'Église. En fait, on trouve des autorités partout. On trouve des autorités, on trouve l'autorité dans nos familles, à l'école, dans la police, dans l'armée, et même dans nos bureaux administratifs. On a ezali ba autorité moko toki koloba ezali une importance. Mais l'autorité de l'église ou l'autorité ya mosquée, on a ezali autorité te, parce que ils veulent une soumission absolue en eux, qu'on ne ressigne pas, on ne doit pas ressigner, on ne doit pas reposter. Parce qu'ils se disent qu'ils sont fondés du pouvoir, Dieu leur parle, ils sont intermédiaires entre nous et Dieu, mais ils ne nous montrent pas une lettre de nomination. On zambé a pesa bango ke, bango, baloba, en lieu et place de celui qu'on appelle Dieu, qu'on ne voit même pas et qu'on ne verra jamais, jusqu'à la mort. Quelqu'un qui s'appelle autorité religieuse, azali usurpateur, azali tartuffe, c'est un imposteur qui joue un rôle au azali ayeté. C'est un escroc. C'est ce que les prêtres font partout ici, comme azali na kata ba village na biso, na kata ba mboka na biso. Ils sont là pour nous endormir, pour nous voiler, comme ba chevaux ya course. Il faut voir que religion azali neti extincteur, Zali Neti Mai, dont le rôle est Zali Yakobo Mamoto. Moto est Zali Nini, est Zali un élan nationalisme, un patriotisme qui est en nous, qui fait qu'on a le droit de résister, on a le droit de ne pas être soumis à n'importe quel ordre. Les militaires, Bakoye Sabino, que un ordre mal donné, tout soldat a droit de riposter ce qui ordre des alliés mal donné. On ne doit donc pas reconnaître ce que nous appelons l'autorité religieuse parce que c'est une autorité dictatoriale. Alors, au Kenepra, sur le Congo, il y a l'imbroglio, nos cinq ans, l'obi boy, oh, bah, église de réveil, bah, l'obi boy, oh, bah, musulman, bah, l'obi boy. Tout ça, c'est une distraction, c'est une violence. Parce que chacun parmi Batoura, Bazokoumi Benga, autorité, Bazouaka, Mbongo, et pas y a l'État. Et nous, le peuple, Tozaliona,
tozon de milango tozon muna mwa zaba autorité bazo ko représenter quelque chose bazo ko représenter Nzambe. On n'a pas besoin de la Cinco, on n'a pas besoin des musulmans au Congo, on n'a pas besoin des églises de réveil. Les lois et besoin comme on a petit à petit batonetiba ba passeur ceux qui denient laisser. Na ba mususu baza ko dénoncer ndenge ni bazo ko zo mbambongo pe bazo continuer ko zo mbambongo ya politique jambere kanambe na ba régime asika na o yakala les kimbangistes mememe. Donc ils ne représentent aucune autorité utile pour nous, ce sont tous des violents, ils nous violentent et on n'a pas besoin d'eux. Ils ne veulent pas que Maïl Nabiso efungwama, ils ne veulent pas. Et cela est consigné même dans la Bible ici. Il faut donc, tout ça là est fort, que tout l'ongola, l'enseignement religieux, n'a pas famille n'abisso. Donc, ainsi donc, continuer donc à enseigner les doctrines religieuses dans nos écoles et dans nos familles. Ce que je peux dire, c'est tragiquement faire la promotion d'une civilisation d'ignorants dans un monde qui se veut moderne, technologique, scientifique, dynamique et même démocratique. Un monde qui se veut démocratique, scientifique, technologique a besoin des gens au Maïl et Labango. Et Fongwama, Pézoko Fongwama. Si nous continuons à enseigner des notions religieuses dans ma famille, dans la Katia Ndako, dans la Katia Beko, dans la comme je dis, c'est essayer de se continuer à mouler des générations d'ignorants et des gens qui ne vont jamais se libérer et qui seront toujours soumis à ce qu'on appelle l'autorité religieuse. On n'a pas besoin de l'autorité parce qu'elle n'est pas une autorité. La Bible est d'ailleurs anti-science, vous savez. La Bible est anti-science. Et quand elle dit ceci, dans le book où il y a Ecclésiaste, chapitre 1, verset 18. Boyoka, ce que je vais lire, quand il y a la Bible, il y a le Banzambe. Je dis bien Ecclésiaste, chapitre 1, verset 28. Bofongo la Bible, la Bino. Et Bami Boye. En effet, avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa connaissance augmente sa souffrance. Au monoapi. Biblia na bino lobi soko zana sagesse mingi, soko zana connaissance mingi, soki oyebi mingi, soki mwaile na yo ezali ya kufungwama. D'après la Bible, ozali ku bakisa souffrance na yo mpasi na yo omona wapi. Mais le monde est créé, le monde vit, le monde se développe grâce à la connaissance, grâce à la science. Mais Biblia elobi ke soki oyebi science, soki ozoko comprendre science, étymologie nango na langue grecque, science la kese skire qui signifie connaître. Alors, quand on connaît, ça signifie qu'on s'est libéré de l'ignorance. Mais Bible le dit que ceux qui ont la connaissance, donc, ils ont la liboma, to, okobakisa, mpasi na yo. Vous voyez que de telles assertions par un livre qu'on dit qu'il est saint sont absolument aux antipodes de l'esprit de la recherche et de la connaissance. Un livre qui vous dit que quand vous connaissez beaucoup, quand vous faites des recherches, quand vous êtes averti de beaucoup de choses, aux autres qui ça passe na yo. Mais c'est ce qui n'est pas vrai. Mitu katozo kumba, ezali produit ya mayele. Ba avion oyo tozo kotambola na yango, tozo pumbona na yango likolo.
Ezali Mayele. Médecine, que ça soit traditionnel, que ça soit moderne, Ezali Mayele Amoto. Kolona Bilanga, Ezali Mayele Amoto. Kotonga Bilamba, Kotonga Bandako, Ezali Mayele. Comment la Bible nous dit que ce qui obakisi Mayele na yo, et la kisi, ou la kisi, souffrance na yo. Et pourtant, la même Bible dit, Kozanga koyeba, ezali liwa yandambo. Vous voyez comment un livre se contredit. La religion, vous savez, en ces termes, entreprend donc de garder les gens dans l'ignorance et la plus absolue, afin de nous gérer comme les animaux de la ferme ou dans la ferme. Vous voyez ça? Ce qui au tangi na Apocalypse 3, la souka ya Bible kuna, Apocalypse, je veux dire l'Apocalypse chapitre 3, il est dit ceci: la foi tue et détruit la pensée. La foi tue et détruit la pensée. La foi tue et détruit la pensée. Encore, c'est une contradiction, mais Oyonga Nandi, mi pe bino bokondim. La Bible dans l'Apocalypse 13 et l'obi, kondimela, to kondima, Nzambe en particulier, et bébé saka, makanesi. C'est la Bible, ce n'est pas qu'il est le qui le dit. La Bible dit, soki oza mundimi, ya maloba yanzambe, to maloba biblia, ozali ko bébé sa, makanesi na yo. Ce n'est pas qu'il est le qui le dit. Botanga, Apocalypse, dans chapitre 13, la foi tue la pensée. Kondimela yesote, kondimela nzambe ya ba yuda te, kondimela nzambe ya ba arabu te, ya ba misilma te. Mindimela yo moko, ndimela ba nkoko na yo, ndimela culture, tradition, ba rite na yo ya kala, ndenge tuzalaka kala. Kondimela biblia te, kondimela maloba ya ba pasteur te, kondimela makambo ya ba senkote ya pape te. Parce qu'ils sont tous des violents, et puis, balingi, baboma, makanesinayo. C'est Ezali Bible de l'obi. La foi tue la pensée. Le fait que biso tozo ko croire na makambo ya ba église, Ezali ko désarmer biso, biso ba noir surtout. Mpo, ba tongi ba église, ba tongi ba mosquée, ba considera ka biso nyoso o toza na kati ya kabale na bangote comme étant bibuele. Ainsi, mboka na biso ezali dominé par les gens qui nous considèrent comme étant des bibuele. Ntango Félix Tshilombo ba nommé à juste pouvoir. Bomona ki banani yo ba tiaki maboko likolo na ye. Ce sont des pasteurs. Ma pasteur on a, il faut que je passe un salaire. Je passe un bisogno sans leur dire rien aussi longtemps que je suis en train de rôle na bango zali ko garder biso dans l'ignorance. Nous sommes voilés, nous sommes la burqa et ma musulman pour tout le monde et l'autre tout résister. Alors, na Congo. Et loko moko eko salamate, il n'y aura pas de libération. Ce qui tozo ke na ba église, ce qui tozo ke na ba mosquée, ce qui tozo ali ko sambe lanzambe, ce qui chaque fois, ton yutur ba no, grâce à Dieu, par la grâce de Dieu,
Bako tuna moto, comment tu vas? Non, c'est par la grâce de Dieu. Dieu nini yo. Après c'est gabino grâce. Pendant que mboka, za kotango la bien te. Pendant que tout ne va pas. Et vous parlez par la grâce de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que vous dites, vous les Congolais, vous les Noirs? Moi, j'ai souvent peur et j'ai pitié. Chaque fois que mon un Congolais qui se dit intellectuel, à la télévision, à la radio, avant Abanda Koloba, à Kolobano, grâce à mon sauveur Jésus-Christ, grâce à Dieu. Hier, sois allé sauveur, na yo. Tu n'as pas honte, toi, professeur d'université, licencié en droit, licencié en ceci, cela, en médecine. Ça prouve que tu n'as pas étudié quand tu dis que, quand à tout moment tu te réfères à Jésus-Christ comme étant ton sauveur, ton Seigneur. Hier, sois salé, ni na vie, na yo. No banan. Hier, sois allé de kuna yo. Nzambe ou le bako, Dieu le Père. A bota yo, mama na yo nani. Soki nzambenda za per na yo, mama na yo nani. Ozana sonite yo, intellectuel. Okoye na kata television, tu es en train de parler de bobard. Grâce à Dieu, par la grâce de Dieu. Mais il faut avoir quand même honte. Ça prouve qu'on n'a pas étudié. Tout intellectuel qui parle de Dieu d'Israël, de Dieu des Arabes, n'est pas un intellectuel. Tu as peur de quoi pour parler de Jésus-Christ? Est-ce que Jésus c'est ton frère? Jésus a fait quoi pour toi? Est-ce qu'il a existé d'abord? C'est la même religion qu'on a utilisée pour nous subjuguer et qu'on continue à utiliser pour le moment, pour nous distraire. Et toi tu viens, tu parles grâce à Dieu, grâce à Jésus-Christ. Ce n'est pas grâce à tes ancêtres. Vous voulez nous dire que Dieu n'était pas là quand les Occidentaux et les Arabes se sont décidés de venir coloniser les Africains et d'autres gens sans doute, d'aller tuer les Amérindiens en Amérique, d'aller tuer les Noirs en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Tasmanie? Dieu n'était pas là. Quand ils ont décidé de pratiquer la traite des Noirs, batte kabiso nete ba marchandise, ba kata biso maboko, ba kasre biso mibali, ba ko kata sokano opo obotate. Dieu n'était pas là. La démocratie n'était pas là. Où était Dieu quand les Occidentaux étaient venus chez nous? Soki nzambe moto akela yo, yo moto mwindo, zoba wana, oza na mayele te, parce que il faut la zoba. C'est pas qu'il est l'église, j'interprète seulement la Bible. C'est la Bible qui le dit. Parce que la Bible dit que quand on a connaissance, on transfère la Bible à la zoba. Nzambe, azalaka wanate, l'air ba mindele ba yaka nana en Afrique, il n'était pas là. L'air ba portugais ba yé. Nzambe, azalaka wanate, l'air ba zoko boma biso, ba zoko kata biso maboko, il n'était pas là. L'ère Léopold II a tindi bato na ye awa na Congo. Nzambe azala kite. Pourquoi Dieu n'a pas bien inspiré les blancs que ba respecter biso, ba considérer biso comme étant bato neti bango? Mais il s'est tué. Et s'il s'est tué, ça signifie qu'il n'a jamais existé et il n'était pas là. Et ce que nous devons faire à la violence, nous devons répondre avec une autre violence. Nous devons nous attaquer aux Rwandais, aux Ougandais, aux Burundais, aux Blancs. Ceux qui s'appellent Blancs, parce que la race blanche n'a jamais existé, ils sont roses. Et moi, je croirais en l'Église. Nakobana kondimela, ba religion, les jours où les Européens et les Arabes vont cesser de s'appeler Blancs. C'est ce jour-là où moi, je vais commencer à croire à la religion. Parce que le Koutanyoso et Bandeli, na race na bango. Un peuple qui ne veut pas reconnaître la couleur de sa peau, sa pigmentation, et qui nous inculque la notion que bango bazali mindele bazali blanc. Mais il n'y a pas de dictature que ça.
baza mindele. Est-ce que ce mona mutoza na couleur ya boy? Neti mayo nga na lati. Ils sont roses, ils ne sont pas de blanc. À partir des races d'abango, l'okuta est bandi. Alors, la plupart des choses qu'ils font, au kondimango pour l'année, religion, zayi l'okuta. Nous devons répondre à la violence, nous devons répondre avec une autre violence. Même Bible Nabino et le Biango. Bible Nabino parle de la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Mais c'est ce que la Bible dit. Nous ne devons plus accepter que oh, bah, tu as 5 ans, bah, kota, la biloka politique. Il faut te tomber dans l'église. Il faut te boma. Bato oyo bazo ko continuer ko garder biso na soumission aveugle. C'est ce qui fait que na bossa la ba marche. Bo lancer ba tract, ça ne va pas marcher parce que conscience ezali détruite. Ba lingi te boza na connaissance. À cause de la religion. Rien ne marchera aussi longtemps que biso to bandi ko boma ba rwandete. Ba Ougandete, ba Burundete, na ba Congolete. Il faut que banda kobuma ba Congolais, oyo bazali ba complice. Ils sont les piliers, les poteaux, ya ndako ya colonisation, pe ya domination, na occupation. Olie, to bandaka, obete la bango maboko, comme nous sommes habitués à la flatterie. Oh, mon prezo, oh, vien angaï. Oh, ceci et cela. Tu vois ces gens. Même les musiciens, Oyo, Bazali, qu'on continue, qu'on soit mbongo, il y a occupation, nous devons les tuer. Tous ceux-là qui veulent aller à Paris, en France et partout, pour passer à la concert. Que ça ne se limite pas seulement à Yakubwa Kamabanga. Nous devons commencer à tuer ces musiciens. Parce que tu as dit que Bango, ne Bazali, qu'on distribue ça comme les religieux. Et ceci provient de moi. Vib, Jemadar Vibikil Kilel, pour le Congo de Lumumba, de Kasavubu, de Kimpavita, du patriote Kimbangu, de tous les martyrs congolais et de tous les Congolais qui luttent afin de protéger et de garder la nation. Bon dimanche à tous. Soko Zali Congolais a solo e segneli otta la bobele Congo Dialogue. Congo Dialogue? Tembete. Osasie. Soko Zali Congolais a solo o kokiko zanga mokolo mokote e segneli otta la bobele Congo Dialogue. Oyeba makamu mazali koleka kuna. Donc www.congodialogue.com. Soko za Congolais a solo. Yango wana. Papa kinzeta lobi yango. Foko tala ka? Tina Congo Dialogue. Tina yangu ngai pena yeba ka makamu makoleka kuna. Nabosa na te. Otala rapika ka Congo Dialogue. Tembete. Yeah, so ata nazali congolais so ata ba mendele ki va ko kikotala congodialogue.com.